Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je tenais à dire bonjour à mes fidèles abonnés, mais aussi bonjour et bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Bien évidemment, comme à mon habitude, voilà, vous le savez, je me laisse porter. J'ai pas là de thème bien précis. On va voir tout simplement. Avec mes guides et les messages à vous faire parvenir. Donc, je vais démarrer en premier avec l'oracle Les Portes de l'Intuition pour les premiers messages à vous faire parvenir. N'oubliez pas qu'on est et que je fais, d'accord, une guidance d'ordre général. Donc, qui dit d'ordre général, pardon, je vais y arriver, dit que ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. D'accord? Donc, prenez uniquement si ça vous parle, si ça vibre en vous. D'accord? Ne cherchez pas à forcer les choses. Voilà. Tout est juste. S'il n'y en a pas pour vous dans cette... Voilà, des messages dans cette guidance, il y en aura dans une autre ou sur une autre chaîne. Tout est juste, hein? D'accord? Allez, on y va, on y va. Et oui, voilà. Ouh, mais ça veut parler, hein, vous voyez. Je voudrais, s'il vous plaît, notre carte ou deux avec cet oracle, s'il vous plaît, pour éclairer les personnes qui regarderont cette vidéo. Et oui, c'est ma première guidance là du mois de décembre. C'est passé sa fusée, hein. Je sais pas pour vous. Mais je sais pas comment vous le ressentez, mais pour moi, le temps fuse. J'ai pas l'impression que voilà, ça va très très vite. Peut-être pour certains que oui, peut-être pour certains que non. Oh là là, mes anges, j'en aurais beaucoup beaucoup trop. Donc je vais prendre juste celle de dessus. Allez, on va voir donc avec cela. Ah, d'accord. Eh bien, vous voyez, je vous parlais de futur. Non, mais c'est incroyable. Voilà, vous avez celle-ci. Le pont du futur, justement. Alors, avec celle-ci, on vous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous, je répète, imprégnez-vous, je vais y arriver, de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc je vais vous en parler un peu plus après. D'accord. Et vous avez celle-ci qui est le ressenti. D'accord. On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, ces deux cartes sont quand même très, très, très intéressantes. Parce que là, moi, j'ai, ça y est, je reçois beaucoup de messages. Beaucoup, beaucoup de messages. Donc là, pour certaines personnes, bien sûr, à qui ça parlera, il y a un magnifique futur qui est en train de se dessiner, de se mettre en place pour vous, d'accord, pour vous dans la matière. Voilà. Mais, moi, c'est ce que j'entends, malgré qu'elles sont hautement positives, bien évidemment, puisque les choses sont en train de se dessiner. Voilà, c'est plutôt rare que je reçois des cartes qui me parle d'un futur vraiment assez bien précis.
puisque là, c'en est le cas pour vous, bien évidemment, qui regarderez cette vidéo, donc ça vous concerne à vous directement. Mais avec la carte dite du ressenti, faites quand même attention du fait que, comme on dit, chaque jour que l'on vit, moi, je le ressens comme ça et ça vient de moi, chaque jour que l'on vit, mais vous allez préparer votre demain. D'accord? Donc, ce qui veut dire que chaque jour que vous allez vivre là, plus vous allez avoir des pensées dites positives, quelque part ça renvoie un peu à la loi dite de l'attraction, chacun de nous étant unique, chacun de nous travaillons chaque jour pour notre futur. J'essaye de trouver les mots les plus faciles, toujours pareil, pour essayer d'expliquer ce que l'on m'envoie en message. Voilà, toujours pareil. Donc là, attention, on est face donc à vous, des personnes, pour certains à qui ça parlera, toujours pareil, qui sont en train de mettre en place là, dans la matière, plein de projets. Avec ardeur, avec volonté, avec optimisme. Tout ça, c'est très bien. D'accord? Mais avec la carte du ressenti, là, oui, j'en reviens de nouveau un peu à la loi de l'attraction. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à faire vos propres recherches. D'accord? Et restez quand même dans ces belles dites énergies. D'accord? Voilà, puisque là, on vous confirme bien que vous êtes en train, vous voyez, il y a une, deux, trois marches de bien dessiner, de vraiment bien dessiner, de créer de plus en plus, voilà, votre avenir. Ça peut concerner, attention, tous les domaines, hein, d'accord? En dos de deck, vous avez la carte dite de la bonne nouvelle. Je vais vous lire donc le petit message. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, c'est une invitation à rester, comment dire, moi, ce que j'en ressens, c'est qu'on vous invite à rester le cœur ouvert. C'est-à-dire que si vous réussissez dans votre vie, et c'est très bien, quels que soient les domaines, n'oubliez pas quand même les autres qui sont autour de vous. Mais aussi, si vous réussissez à vous élever, on vous invite à quand même garder, pardon, à quand même garder en mémoire et dans votre cœur d'où vous êtes parti. Comment vous dire, par exemple, un exemple tout bête, mais qui pourra faire comprendre, certaines personnes, lorsqu'elles réussissent leur vie, quel que soit le domaine, quittent justement le chemin du cœur. Voilà, je vais dire comme ça. Quittent le chemin du cœur. Prenant de la hauteur, dans quelque domaine que ce soit, d'accord, oublie ces personnes, oublie d'où elles sont parties ou qui les a aidées, même si ces personnes-là qui vous a aidé n'avaient peut-être, comment vous dire,
n'était pas dans la fortune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous invite à ne pas quand même oublier la gratitude. Comme je dirais si bien, faites attention à ne pas prendre la grosse tête. Voilà, bon, j'ai envie de dire comme ça beaucoup le comprendront. De prendre la grosse tête si vous réussissez. Restez toujours sur votre bon chemin, le chemin du cœur. D'accord? Voilà. Parce que ça, apparemment, c'est très important. Donc, pour moi, il fallait que je fasse passer ce genre de message. Allez, je vais prendre donc les rêves enchantés de Lenormand. Le tarot, donc les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Puis on va voir. En fait, là, on vous invite quand même à rester et à pratiquer la gratitude. Voilà. Que ce soit envers vous par rapport à l'aide de l'univers. Moi, j'ai envie de dire cela ainsi, hein, comme ça vous adaptez selon vos croyances. Voilà, à rester humble. Humble. Voilà. Des fois, ça m'arrive, hein, que voilà. J'ai des petits bugs parce que c'est quand même pas toujours évident, vous savez, de faire une guidance quand on reçoit énormément de messages. Voilà. J'avais déjà dit, mais je préfère le redire, puisque là, il y a quand même beaucoup de nouveaux et de nouvelles. Donc oui, ça peut, voilà, ça peut le faire. Hein. Oula, elles ont mais carrément sauté. Je sais pas si vous avez vu. Donc là, j'ai trois cartes. Je vais demander au moins une ou deux de plus, s'il vous plaît. Mes guides et mes anges, une ou deux cartes de plus pour les personnes qui regarderont donc cette vidéo. Ça sera une de plus. Excusez-moi. Alors, on va regarder celle-ci en premier. Vous avez le bateau. Ah, d'accord. L'homme romantique ou énergie masculine. Attention. Oh là là. Et ouh, l'homme à nouveau. Là, c'est la première fois que ça m'arrive de tels messages quand même depuis ce matin. Le soleil. Ok. Donc là, il y a deux fois. Oui, parce qu'il y a deux hommes dans ce tarot. D'accord? Il y a l'homme romantique et l'homme masculin, sacré, le masculin viril. Voilà. Si je peux me dire ainsi. Mais attention, attention, comme je dis toujours, cela au niveau de l'homme romantique peut représenter aussi une femme avec des énergies masculines. D'accord? Sauf que là, ayant dans ce jeu la carte, je vous le montre de nouveau, de deux hommes, d'accord? De deux hommes, ça prouve aussi vraiment l'homme en tant comme incarné, d'accord, dans la matière. Ici, ça peut représenter aussi la personnalité de cet homme, type plutôt doux, romantique. Donc, dans des... qui, voilà. Moi, là, ce que j'en ressens, mais c'est incroyable. Voilà ce qu'on vient de me dire. L'unité. Je viens d'entendre ça. Ah, mais c'est incroyable. D'entendre dans ma tête, donc... L'unité, voilà, que ça représente une unité. Voilà, comme si un homme, d'accord, je vais essayer de l'expliquer comme ça. Comme si cet homme-là, qui regarde cette vidéo et qui est bien un homme dit dans la matière, d'accord, avec des énergies d'homme.
D'accord? Mais, on me dit avec, qui s'est unifié, unifié à lui-même, avec des énergies aussi d'hommes doux, romantiques, donc plutôt masculines, qui s'unifient à lui-même. C'est incroyable, j'avais jamais eu pour le moment, en tant que guidance, attention générale, ce type de tirage qui m'intrigue énormément. Ce qui est sûr, c'est que cet homme ou cette, il y a un homme là, et ça peut être aussi avec cette autre carte, d'accord, une énergie masculine. C'est ça que j'entends, c'est incroyable. Oh, incroyable, incroyable. Puisque là, cette personne, donc vous voyez, là on a sauté, comme je dis souvent, un peu du coq à l'âne. Ça peut arriver, c'est que on m'envoie des messages comme ça au tout début. Voilà, et je comprends l'importance du fait de ne pas, qu'on vous a recommandé de ne pas sortir, surtout de ce chemin du cœur dans lequel vous êtes. Parce que là, c'est incroyable. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, donc moi je veux dire cette personne, d'accord, va revenir vers vous. Va décider, vous voyez, avec le bateau, va décider de venir vers vous. C'est cette personne qui va décider de venir vers vous. D'accord? Cette personne va décider de venir vers vous. Avec, bien évidemment, l'homme unifié qui est ici. Magnifique, d'accord. Et l'homme, deux fois la carte de l'homme, non mais c'est incroyable. Mais au niveau énergétique, vous interchangez, d'accord. Qui arrive sera un homme qui a été transformé avec comment vous dire, des énergies de douceur. Pour moi, cette personne, mais c'est incroyable, cette personne a trouvé réellement son unité. C'est magnifique. Et suivi du soleil, cet homme qui va venir vers vous, ou cette énergie masculine qui va revenir vers vous, va être de toute façon unifiée. D'accord? Là, c'est depuis très très longtemps, je n'ai pas eu, d'ailleurs, je ne pense pas que depuis que j'ai ouvert ma chaîne, je suis face là. Ah, là, j'ai envie de dire un masculin unifié. Là, j'en suis scotché, unifié. Voilà, unifié ou qui va s'unifier. Voilà, il se passe quelque chose là. Alors là, ça me, c'est incroyable. Oh là là. Eh ben voilà. Vous avez le bouquet, hein. Donc le bouquet, ça prouve bien que cette personne, effectivement, va revenir vers vous, d'accord? Il a fini un cycle. Donc là, ben oui, là on vient de me dire qu'en fait, et je viens de ressentir qu'en fait c'est un tirage pour les liens sacrés, notamment pour le masculin. Voilà, le masculin, et je mets vraiment en tout petit entre guillemets l'énergie dit masculine. Pour un masculin. Oui, mesdames, voilà. Ou à qui ça parlera, attention, selon vos énergies dans la matière. Là, on est face à des masculins qui sont prêts, qui sont unifiés avec la carte, bien évidemment, d'accord, dit du bouquet. Je ne sais pas si je la mets là. Non, vous n'allez pas la voir. C'est. Ah, ben, et. Oh là là, et derrière. Ah ben tiens, un couple, hein, c'est le couple. Hein. Ah j'en suis, mais tout retourné parce que j'ai jamais eu pour le moment une telle guidance depuis que j'ai ouvert ma chaîne. Là, on est face à des masculins. Donc là, on me certifie que ça parle bien d'hommes dans la matière. D'accord? Parce que moi, je sentais unifié. Qui s'est unifié, oui. On me dit.
Il est unifié, ce masculin, il est unifié en lui, ça y est, il est accompli, il est accompli. Il y a quelque chose qui s'est passé qui est magnifique. Donc, on comprend mieux pourquoi ce futur se met en place, il est en train de dessiner son futur, d'accord? Il est protégé, puisqu'avec la carte du soleil, c'est un homme qui va revenir vers vous. Mais aussi d'énergie masculine et féminine, c'est-à-dire que il s'est unifié en lui. C'est un homme unifié. Voilà ce qu'on m'en voit, c'est incroyable. Voilà, je... Rayonnant, qui est accompli. Qui est accompli. Cette personne, en tout cas, ce qui est sûr, c'est votre autre qui va revenir vers vous. Puisqu'avec la carte, le bouquet, ça renvoie au bonheur, d'accord, au bonheur, un bonheur retrouvé, un bien-être retrouvé, mais aussi à une invitation, d'accord? Voilà, ça vous envoie bien donc à une invitation, voilà, à vous qui regardez cette vidéo. Et là, c'est incroyable, c'est pour ça que je me sentais un peu chamboulé parce que voilà, j'entendais ces messages là de l'agent féminin, et il y a bien de nouveau, donc je veux vous le montrer parce que ça suivait derrière le bouquet, c'est incroyable. Oh, mais c'est incroyable. Ah, oh, mais c'est incroyable. C'est incroyable, tout se suit. Je peux pas vous laisser là au niveau de la guidance, c'est pas possible pour moi de. Puisqu'il y aura donc, je suis tout huile là. Là, ça me chamboule, même à moi. Pour vous dire à quel point. Donc, cette personne vient bien vers vous, vous retrouver. Pour faire, regardez, il est tombé aussi l'anneau. Voilà, il y a l'anneau, la fusion. C'est bien ce que je ressentais, que je vous ai dit, cet homme. C'est la première fois que j'ai les deux cartes de l'homme unifié entre son pôle féminin, son pôle masculin, mais aussi je ressentais les énergies dites masculines, féminines. Ben oui, puisque là, voilà, c'est vraiment très très beau. Vraiment très 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 beau. Il y a bien la féminine qui sort, donc vous aurez compris que ce tirage s'adresse à des liens sacrés, des liens d'âme, d'accord? Et il y a la fusion, vous allez vers une fusion et il y a eu une fusion. Voilà. Ah mais c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. J'ai jamais eu ce type de... voilà, puisque cette personne a trouvé ou va trouver et est en train de dessiner de nouveau, voyez le pont, ça renvoie de nouveau. C'est pour ça qu'on m'a dit de les prendre. Hein. De nouveau au pont du message du début, que cette personne est en train de dessiner son pont pour son futur, mais aussi, pas que, c'est aussi pour vous retrouver. Et ça y est, pour vous retrouver. Parce que là, on me dit avec la croix que cette personne, mes belles âmes, a fini de porter sa croix. Moi, c'est ce que j'entends. C'est vraiment un tirage totalement surprenant. Voilà, j'ai jamais eu affaire à ce genre de tirage. Je veux dire, en tirant, on se dit de guidance générale. Voilà, ça renvoie bien donc à tout ce que j'ai pu vous dire depuis le début. C'est incroyable. Attendez-vous, vous qui regardez cette vidéo, et qui faites partie donc des liens dits sacrés, que votre autre va bien revenir frapper à votre porte. Hein. Et alors, moi, pour que ça me chamboule autant dans cette guidance, c'est que vous n'allez pas vous y attendre. Là, pas du tout. Hein. C'est voilà, c'est vraiment le masculin accompli. Là, moi, c'est ce que j'en ressens. C'est un masculin accompli qui vient,
qu'a réussi à trouver son unité. Donc là, c'est carrément un tirage pour des fins de parcours. D'accord, c'est carrément là pour des fins de parcours. Vous allez être surpris ou surprise, d'accord? Voilà. Après, vous adaptez selon vos énergies, d'accord, dans lesquelles voilà, vous êtes. Hein. Voilà. Mais écoutez, j'en reste là donc aujourd'hui pour cette guidance. Donc vous l'aurez compris, c'est une guidance qui s'adresse aux liens d'âme, hein, mais plus ciblée, moi c'est ce que j'en ressens, plus ciblée pour les flammes jumelles. C'est waouh, waouh, waouh. Voilà, j'ai pas d'autres mots à vous dire. Pour les personnes qui découvriraient ma chaîne, si cela vous intéresse, eh bien, écoutez, je vous invite à vous y abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour que YouTube vous envoie en temps et en heure mes vidéos. Voilà, merci encore aux personnes, oui, c'est vrai, qui me laissent un like ou un commentaire gentil. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quand vous aurez donc cette vidéo aussi surprenante. Voilà, moi, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous!